Mardi 11 septembre 2018, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel, journal. Ministère éducation nationale et formation professionnelle annoncé une série mesi ministère a adopté pour année académique 2018-2019 là dans application programme secondaire rénové dans sens ça responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo ba yon délai de l'année à toute l'école qui peut appliquer pour programme secondaire rénové pour mettre yo au pas. Groupe 16 députés ont continué critiquer membre cabinet ministériel maître Jean-Henri Séan d'après eux-mêmes qui pas gain aucun critère pour yon moun ta vinn ministre député Miambalé Abel Décolline mandé commission cap travail sur étude de pièce yo pour prendre responsabilité yo. Fondation Marie Claire heureuse félicité Bonnet Dessalines lancé journée mardi 11 septembre 2018 la programme commémoration 260e anniversaire naissance fondateur PIA Jean-Jacques Dessalines. Objectif activité ça c'est pour conscientiser population sous personnalité à compétence Jean-Jacques Dessalines selon responsable fondation Baina Bello. Dans page internationale journal là moun k'ap vive New York rend hommage journée mardi 11 septembre 2018 là ak environ 3000 moun qui t'ai perdu la vie dans attaque terroriste 11 septembre 2001 dans pays États-Unis dans yon ti farina et la pli. Plusieurs monde te réuni devant musée qui dédié à attentat 11 septembre 2001 pour te observer une minute silence dans l'heure exacte avion yo te frappé tout jumelio. Plusieurs personnalités politiques te répondent présent en coup gouverneur New York là ak ambassadeur États-Unis dans l'ONU. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine. Grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique. Oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer, pour séduire. Les paboulés gaz. La pmeneo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là, c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique. Il y a un système son rololoï. Gado soli très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, il y a belle 10 machines ça, en prix spécial, prix promotionnel. Parce que l'objectif de Universal Motors, c'est permettre plus de monde toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Viens admirer, viens essayer Nissan Kicks là, dans le nouveau showroom Nissan sur Route Aéroport. Nissan, innovation that excites. Les ou son artiste, faut connaître son vle faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto ou vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans la musique yo. Et puis, qui j'en ka mwen ke fanatikou. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique, moi connais qui ça pour me faire. Pour moi, quand je joue un succès, vous avez fait la banque, moi. Moi, pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Joseph, Joseph, travaille déjà
parlez bien de notre jeunesse que nous pouvons y appeler. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJS, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 2093. CPJF, la clé de votre réussite. Activité femme pas gain temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent faire petit. C'est pour que pour petit 50 000 gouttes pour qu'on mette l'obligation BRH. Cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, t'as joué nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon? S'il monte, BRH a mis un petit déclic sous 7% là. Qui donc? Pas de perdre nos machins. D'ailleurs, c'est renouveler, je vais renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque à toute coopérative qui dans fédération yo à dans l'autre institution financière yo. Eh bien à obligation BRH tout j'aime gagner ou pin parler Carole maléfice kounia gè plus avantage toujours l'on entrer dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois BRH a bon 7% intérêt. Si c'est 9 mois intérêt à 7.25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez joué 7.50% intérêt sous mon man l'argent. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vos parents qui lui avaient confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche, Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre, Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiant Lio pas gain ce qu'on a fait pour là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Olucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42 22 27 82 54 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritain International School of Nursing, boom bagay. Yeah.
Ministère éducation nationale et formation professionnelle annonce yon ensemble mezi ministère adopté pour l'année académique 2018-2019 la nan application programme secondaire rénové qui visait passer main nan organisation examen officiel yo ak matière kap enseye l'école yo. Directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle la Meniol Jeune fait connait ensemble mezi sa yo important pour application programme secondaire rénové. Directeur général ministère éducation nationale dans la formation professionnelle là accordé un délai de l'année à toute l'école qui pourra appliquer pour programme secondaire rénové à une façon pour capable mettre yo au pas. Meniol Jeune, c'est directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là qui était dans micro Jean Roberto Saint-Fort avec Ricardo Régis. Nous réunis aujourd'hui pour une conférence qui portait sur l'effort ministère éducation nationale à faire pour la mise en œuvre du secondaire rénové. Système éducatif haïtien, depuis réforme Bernard au niveau classique, dispose d'une école fondamentale, jusqu'à arriver dans le 9e année fondamentale, et d'une école secondaire de 4. Suite à l'expérimentation du secondaire rénové, mis en branle au cours des années 2000, il a été décidé sous le ministre Badiga de généraliser les programmes en 2014. Donc en 2018-2019, on est en phase d'évaluation officielle de cette forme. Le ministère de l'Éducation nationale, ADESA, a adopté dans le cadre de la mise en œuvre du secondaire rénové, notamment pour les épreuves obligatoires et anticipées, des mesures très drastiques et très importantes. Et laisse-moi parler de épreuves obligatoires et anticipées. On est capable tout de suite faire nous connaître des petits détails. Les élèves du secondaire 3, selon la série considérée, il y a pour passer épreuve anticipée dans la discipline ZAN. Par exemple, sciences de la vie et de la terre, SVT, il y a français, créole, anglais, espagnol. Sciences mathématiques, physique, SMP, il y a français, créole, anglais, espagnol. Sciences économiques et sociales, SES, le gagné français, anglais, espagnol, créole. Et enfin, pour lettres, langues et arts, LLA, le gagné français, biologie, géologie, physique, créole. Ministère de l'Éducation nationale, en plus de matière saillot, il est considéré comme des matières à épreuve anticipée et dans l'examen officiel, pour série pour 3 et 4, et bien il y a l'autre matière qui enseigne et qui pourra évaluer uniquement dans l'école côté élève saillot de choisir. N'ont pas pu mettre au pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appliqué au programme secondaire rénové pour diverses raisons. Le ministère de l'Éducation nationale a eu un délai de grâce de 2 ans pour rentrer totalement dans le secondaire rénové. Pour l'évaluation officielle qui va venir à l'ESA, nous pas parler encore de remédiation, car l'évaluation qui est qualitative déterminera le passage du candidat en classe supérieure. Faut que nous disions, ministère de l'Éducation nationale livre toutes dispositions nécessaires pour que tout responsable, tout acteur,
ont appliqué mesures à la lettre. Par conséquent, nous invitons chaque agent pour jouer un rôle pour réussir le programme ça au bénéfice de la société. Profitez encore pour nous remercier les journalistes qui toujours accompagnent nous dans toute activité nous gagnons qui a à voir avec faire promotion, publier puis informer le grand public là. Et nous profiter pour nous remercier tous les candidats qui sont nouveaux secondaires et tous les candidats qui sont baccalauréat traditionnel. Nous profiter de Dieu et une bonne année scolaire pour l'année académique 2018-2019. Bon côté payo directeur enseignement secondaire Maxime Mezilas ensemble avec directeur cabinet ministre éducation nationale et formation professionnelle là Jackson Pleto pote éclaircissement sous programme secondaire rénové selon explication yo élève yo a gain pour apprendre nouveau matière et puis subi un examen anticipé une manière pour plus bien évaluer yo en suivre intervention directeur enseignement secondaire ensemble avec directeur cabinet ministre éducation nationale et formation professionnelle là une après l'autre qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort à Ricardo Régis. C'est ainsi par exemple nous avons un ensemble de disciplines qui enseignent de la première année à quatrième année. Mais il y a tout qui peut arriver dans la quatrième année, il peut arriver dans la troisième année. Comme il faut regarder qui compétences qui installe dans la discipline, c'est ça qui fait que ça nous aide à anticiper dans la troisième année. Parce que l'élève ne peut pas faire la discipline dans la quatrième année, mais il faut regarder qui ça a retenu comme élément à partir de la troisième année, c'est ça qui fait qu'il peut anticiper en troisième année. Que le détail est là, nous n'avons pas besoin de reprendre, mais c'est vrai, c'est ça qui fait qu'il faut anticiper pour garder les compétences qui installent. Deuxièmement, il y a un débat, nous parlons là de série. Bon, qui peut être pour ancienne génération, ça ne va pas dire rien. Généralement, nous connaissons dans le temps, il y a section A, section C, section D. Je dis à pas de débat, ça encore dans le système. On a parlé de préférence de série. Pour garder une série qui est SVT, c'est Sciences, Vie et de la Terre. C'est-à-dire, son série lui-même qui est concentrée totalement sur des matières comme biologie, géologie, chimie. Un petit monde qui sorti fin faire philo ou fin faire secondaire 4 li dans série ça option li aller agronomie li aller faculté de médecine li aller faculté de sciences mais section ça c'est les sections dès longtemps mais je dis à régler série SVT bon série tout c'est SMP c'est mathématiques physique qui était bonne section c'est longtemps je dis à c'est série ça qui adressé à des matières mathématiques physique. Et si vous avez regardé, vous trouvez que vous avez faculté de sciences, même tout agronomie ou bien l'école normale supérieure, côté FSC. Bon, l'autre série, c'est série sciences économiques et sociales. Bon, il n'y a même pas bien équivalent dans le temps dans ces systèmes-là, mais il permet, si vous avez orienté vers des bâtiments, tant que sciences économiques, ou quand vous venez dans la faculté de loi, dans sciences économiques, ou quand vous venez dans l'INAGE, des petits bâtiments comme ça, mais c'est l'élément que, mais vous mettez accent en pile sur l'économie. Histoire, géographie et quelle autre discipline enseigner, mais matière de socle, c'est vraiment économie pour tout le monde pénétrer vraiment dimension économique et qui permet de participer dans le développement du pays. Après une nouvelle année fondamentale, l'agenda que j'ai expliqué là, est allé sur 4 ans. Il y a 2 années de tronc où nous gagnons un ensemble de disciplines au nombre de 14 pour le moment. Et au cours, du moins à la fin de la deuxième année du secondaire, nous gagnons un test d'orientation qui conduit Timounio à une la 4 série qui est la filière d'enseignement général. Alors, il faut préciser que la filière d'enseignement général est en expérimentation, j'en ai dit là, depuis 2007, et puis il vient généraliser l'année 2013-2014. Qui fait, journée aujourd'hui, nous avons généralisation 4e année et filière d'enseignement général nouveau secondaire. Et justement, pour quatrième année, ça, c'est toujours dans 4 séries l'école lui a gagné pour yo et voyer timonio l'examen fait timonio bay timonio et des cours. Par exemple, en secondaire 3 et secondaire 4, travail technique yo te voyer ministère a fait des choix à partir d'un ensemble de matières que nous qualifions de matières obligatoires et des matières de concentration. Les matières de concentration, c'est des matières qui spécifiques à série que tout le monde choisit à aucune orienté là-dedans. Donc, comme ça, nous avons une dizaine de matières et à part les langues qui vont être évaluées et comme épreuve anticipée en secondaire 3 pour les séries sciences de la vie et de la terre, il va y avoir aussi au nombre des disciplines qui sont
de concentration et obligatoire, l'éducation à la citoyenneté et l'informatique pour le moment que les écoles pourront assurer l'évaluation chez elles. Les épreuves comme les cours, si vous voulez, comme l'éducation à la citoyenneté et l'informatique, c'est des cours ça yo, OK, yo capable évaluer dans l'école là et ministère a compté sous notre ça tout pour capable compléter quantité matière que notre sous quantité matière timonio et gagner pour secondaire 3. Groupe 16 dans chambre député a continué de dénoncer cabinet ministériel premier ministre nommé à maître Jean-Henri Séan. Selon groupe 16 là gagne en pile moun qui composait cabinet ministériel là qui pas répond à critère yo ministre dans sens ça député mi emballé Abel Décolline mandé commission cap travail sous pièce ministre mettez plus velléité sous étude pièce chaque grain ministre yo façon pour éviter irrégularité dans prochain gouvernement. Abel Décolline c'est député mi emballé a quitté dans micro Rodelin avec Marvin Henry. Nous, les députés de l'opposition, particulièrement de groupe G16, nous baillent nous un minimum de satisfaction dans le cadre de processus qui en cours pour mettre un gouvernement dans le pays. Nous disons baillent nous un minimum de satisfaction. Tout le monde constate retard gagné dans la mise en place d'un gouvernement, Livini notamment à partir de enquête cap menée sous éligibilité ou ensemble de personnalités qui nommaient dans le nouveau cabinet ministériel. Nous tout ap d'accord, n'était-ce pas vigilance, n'était-ce pas levée de bouclier groupe 16 ans lors du remaniement ministériel sous le gouvernement de Jacques Guy Lafontaine. Côté, nous t'ai haussé le ton et nous t'ai dénoncé avec la plus grande rigueur, nous t'ai condamné avec la plus grande fermeté que gagnaient des personnalités qui t'ai nommé, qui pas respecté les critères constitutionnels pour t'ai vine ministre. Et à l'époque, malheureusement, les honorables sénateurs, pour certains, t'ai ignoré prise de position groupe 16 ans. Pendant que nous pas entendre bay rentrer avec ministre Sayo au niveau de la Chambre des députés, mais malheureusement, yo te recevoir yo au niveau du Sénat de la République. Mais mieux vaut tard que jamais. Suite à ce travail de contrôle, à ce travail de vigilance des honorables députés de G16, journée jeudi, hein, nous constater et nous féliciter que les commissions constituées au niveau du Parlement a fait travail de contrôle pour qui non ministre qui nommé yo qui vraiment respecter la loi et la constitution, qui vraiment respecter les critères constitutionnels. Fédération Organisation Jeunes Haïtiens Progressistes a dénoncé position yo di yon série parlementaire prend pour ta bloquer processus ratification premier ministre nommé Ahmed Jean-Henri Séan. Si toutefois yo pas joine poste ministre ak directeur général dans nouveau gouvernement k'ap gen pour monter là, coordonnateur adjoint Fédération Organisation Jeunes Haïtiens Progressistes Josué Casseus qui dresse yon tableau sombre sous conditions socio-politiques pays a fait connait destin ak bien-être Haïti poser nan men messieurs dames parlementaires pour mettre tout intérêt personnel yo de côté et puis agir dans intérêt population pour relancer pays qui selon lui-même ta suspend fonctionner depuis après 7 juillet passé. Josué Casseus, c'est coordonnateur adjoint Fédération Organisation Jeunes Haïtiens Progressistes qui était dans micro Radio Télé Éclair. Sur population c'est dans parlement lié dans sens ça faut j'appeler à parlement pour le prendre engagement avec responsabilité devant la situation. Et devant la conjoncture, je dis à qui pays à vivre là. Je dis à le Parlement, tant pas favorable à yo. Je dis à vous voulez tirer épingle du jeu, les nous connaissons des voyous à rôle chaque parlementaire. Je dis à moment encore une fois, pas favorable à Yo. Yoshita a négocié job
choisir ministre, choisir secrétaire d'État, choisir directeur général. N'a dit encore une fois que il n'est pas capable de juger et parti à la fois. Les bagages ont passé mal. Est-ce que vous avez le Parlement, est-ce que vous avez le gouvernement pour être ballon pour le sens? Est-ce que vous avez le gouvernement, laissez vous-même qui mettez le débat? Soit vous contrôlez, ou bien vous faites partie du gouvernement, dans l'intégré du gouvernement. Tout le monde a connu, mais pas de sens encore. Tout le monde sont spaghettis pour entrer dans les. Et nous avons dit que le pays n'a pas qu'à tout ça. Et je dis à vous, vous avez un défi devant vous. Vous avez un défi devant vous. Parce que le pays est livré à lui-même. Le pays n'a pas de gouvernement. Le sac là n'a pas qu'à faire rien. Il n'a pas qu'à signer chèque. Il n'a pas qu'à position. Tout travail est bloqué. Toute activité est bloquée. Il faut pas le demander de pied. Quittez de côté. Toute forme de négociation, six amis, toute forme de négociation personnelle, faire une négociation pour le pays, faire une négociation pour Haïti, faire une négociation pour aider les jeunes qui ont grandi, faire une négociation pour aider les petits gens qui ont grandi, et faire une négociation pour aider les handicapés, Madame Sarah. Ça le secteur économique, ça parle le secteur économique en Haïti, aider pour avancer. Nous demandons dans ce sens ça. Dans le blocage ça, vous représentez. Pas pays en chance. Diverses organisations dans la troisième circonscription Port-au-Prince latan kou bureau coordination pour développement levé voix au journée mardi 11 septembre 2018 là pour mander intégration yo dans nouveau gouvernement vice-président bureau coordination pour développement national la Frédéric Widler qui dresse un tableau somme sous condition vie population troisième circonscription mande autorité yo pour répondre à revendication yo Frédéric Widler c'est vice-président bureau coordination pour développement national là qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Mackenson registre. Nous constatons depuis le pouvoir ça a démouté, nous pas jamais gagné un représentant valable en dedans troisième circonscription pour charrier problème à toute calamité nous toujours à confronter. Pendant le pouvoir à valer terrain, malgré nous gagné une coordination qui était toujours à mobiliser nous pendant toute campagne électorale. Là nous considérons troisième non, c'est une côté qui puis négligé dans l'Ouest là, pour le programme social, environnemental et latrier. Depuis tant marré, tout le monde s'est mis en tête parce que depuis la pluie tombée, tout le monde bloqué en bas de l'eau. En haut par les centres, pas de aucun loisir, nous vivons dans le monde qui sans famille. Journée aujourd'hui, dans la phase pouvoir arriver là, nous demandons fort troisième dans représenter dans poste qui prend décision dans le bureau niveau l'État. La vie malheureuse et malheureuse, améliorer tout bon vrai. Nous demandons pouvoir prendre toute responsabilité, pressé pour répondre favorablement à la revendication de nous. Sinon, n'a passé. La guerre avait dit, on a tiré grand monde, c'est grand monde, tout le monde suspend. Faut que vous mangez. Vivions troisième, dans la tête ensemble. Grand monde, c'est grand monde. Tout le monde, faut que vous mangez. Nous pas représenter valablement. Nous sommes sur parole là qui est très fort. Depuis la pluie tombée, tout le monde met en tête. Pas qu'à passer. Quatre départements bloqués définitivement. Tout le monde a inondé. Côte littorale là, tout le monde inondé. De ce fait, nous manquons de représenter valablement. C'est ça que nous parlons que. Nous parlons de. Moun nous voulons qui pour représenter nous valablement, non pas qui prend une décision dans le plus haut niveau de l'État, à savoir la direction générale, lire les petits soeurs qui viennent.
Fondation Marie-Claire Heureuse Félicité Bonnet Dessalines lancé jeudi mardi 11 septembre 2018 la programme commémoration 260e année naissance fondateur PIA Jean-Jacques Dessalines. Activité ça cap démarrer 14 pour arriver 21 septembre cap vini là gain pour objectif conscientiser population sous personnalité à compétence Jean-Jacques Dessalines et puis comprendre ensemble vision et plan l'ité gagné pour Haïti selon responsable Fondation Félicité à Baina Bello qui présentait calendrier différents activités qui bien pour marquer événement ça à travers toute ville historique pays pendant les conseillers haïtiens chercher connait histoire origine dans l'idée pour refaire société à Baina Bello c'est responsable Fondation Félicité à qui était dans micro radio télé éclair. Différents statuts, on a parlé de différents personnages, de l'histoire, etc. Et on a bien visiteur, professeur qui sorti dans Seattle, Washington, qui est avec nous, qui, comme Jean le dit, il a venu fêter papa. Yo. Donc, il est rentré, il a fêté papa yo, pour ici. Donc, le 13, c'est déplacement. Pas le 13, le 15, déplacement. Le 16, on a parlé, on a passé dans Acadien, dans Saint-Marc, dans Gonaïve, et nous parlé dans la capitale impériale, là, dans Dessalines, pour nous visiter l'espace-là, et parler de premier gouvernement haïtien et vision dirigeant de la, comment le USA. Et puis on a continué, on a fait l'après-midi, dans Clac, Dessalines, là, on a bien une conférence. Sous les salines et qui a été monité. Le 2 mai, après jeudi, la paix dépassée, parce que c'est vrai, jeudi, pas pour rien. En tout cas, 16 ans, on a tombé dans 17. Donc, 17, on a monté au Cap. Et au Cap, nous avons fait un café Philo Nord avec les visiteurs de l'eau, on a pris au Cap. Et le 18, on a visité Citadelle avant de nous tourner pour au Presse. Et le 19, on a fait le préparatif et détendu nous. Et le 20, on a célébré 260e l'année naissance au fondateur pays, libérateur haïtien, en Jacques, premier empereur Haïti, empire la liberté. Sorti 9, rivé 14. Tout ça qui n'est pas en plan, n'est pas en objectif, on va arriver là-dedans. Avant qu'on arrive au côté, il faut qu'on déjà établi. C'est là où on voulait arriver. Donc, si l'histoire est faite avant le baguette, il n'est pas valorisé, accomplissement, pas même gardé, établi, fait sur accomplissement fondateur. Quitte Dessalines, quitte Christophe, quitte Marie-Jeanne, quitte Marie-Claire Heureuse, Félicité Bonheur, quitte Tante Toya. Paquet pour même non yo nous valons. Donc, tant que nous proposons pour une histoire ça qui vous donne en don, c'est l'histoire qui construit le peuple. C'est leur belle histoire donnée en don avec questionnement, avec raisonnement, avec analyse. Faites une histoire donnée et c'est l'histoire ça qui peut le faire où son petit monde bien déterminé et puis pour pouvez poser des actes qui vous permettent que. Espèce nous y est, comme citoyen haïtien, espèce ça toujours répété. Haïtien son gros peuple, pas que des personnes normales. Ou mettre ouais jodi, ou ben en rigole, ou va prendre couteau, ou va manger. Dites tout, ou des ancêtres qui te passé plus mal, passé ça. L'esclavage va te dire toujours. Et dis, ça bien important pour dites tout. En don, ou gen force qui pou permettre sortir dans quelque soit soyer dans la grande chose.
force là c'est dans où il est. Bon Dieu en don lié. Pas la faire. Traiter et pour après des mêmes yon là ou après. C'est ça nous même nous dit défendre ça pour défendre mais toujours défendre soit défendre avec stratégie à intelligence ensemble pour faire plan et puis détermination pour arriver dans plan. Donc ça ici nous sommes force sans faire aucun autre peuple pour que j'en fais donc sans café nous pouvons pas imaginer remettre tout respecter tout apprendre ça sans cette défaite pour qu'apprendre qui force au grand don et puis accomplir mission. Dans la page internationale journal la 17 l'année après attaque terroriste 11 septembre 2001 dans pays États-Unis plusieurs victimes toujours poko identifiées chaque jour laboratoire dans New York a tenté identifier reste dans corps victime attaque terroriste ça cependant grâce à ka progrès technologie yo gen plus l'espoir pour t'arriver identifier toutes victimes 11 septembre 2001 yo en suivant un reportage avec Euronews depuis le 11 septembre 2001 tous les jours, sans relâche, ce laboratoire new-yorkais tente d'identifier des fragments de corps des victimes des attaques terroristes. Les années passant ont fait place à des améliorations technologiques qui permettent de faciliter ce travail de grande ampleur. Tous les profils que nous générons aujourd'hui, cette année, sont ceux pour qui nous n'avions aucun espoir par le passé. C'est notre travail ici, avec le bureau du médecin légiste, de faire ces identifications, mais aussi d'améliorer ce processus. Que peut-on améliorer? Quel nouvel équipement pouvons-nous utiliser? Que pouvons-nous apporter ici à New York qui pourrait nous aider dans ce qui est la plus grande enquête judiciaire de l'histoire de New York, de l'histoire des États-Unis? Ce laboratoire a présenté les nouvelles techniques utilisées pour identifier les restes des disparus des attaques du World Trade Center. Aujourd'hui encore, de nouvelles identifications de fragments d'os retrouvés au sol ont permis de restituer les restes humains aux membres des familles concernées. 17 ans après, 1100 victimes n'ont toujours pas été identifiées. Toujours dans la page internationale, journal là, moun kap viv New York rend hommage, jounen madi 11 septembre 2018 là, ak environ 3000 moun ki te perdi la vie yo nan attaque terroriste 11 septembre 2001 nan peyi États-Unis. Nan yon ti farina et la pli, plusieurs moun te reyni devant mize ki dédié ak attentat 11 septembre là pou te observer yon minute silence nan le exact avion yo te frappé tout jumel yo. Plusieurs personnalités politiques te répond présent ak ou gouverneur New York là ak ambassadeur États-Unis nan l'ONU. An suivi un reportage toujours avec Euronews. 17 ans après les attentats du 11 septembre, New York rend hommage aux 3000 victimes. Oh, say can you see? Sur cette esplanade, érigée à l'endroit des tours jumelles, le temps semble s'être arrêté. Les New-Yorkais se sont réunis pour une cérémonie de plus de 3 heures, très émouvante. Raymond Matthew Downey Sr. Comme chaque année, les proches des défunts ont dit quelques mots en leur honneur. Des discours ponctués par 2 minutes de silence, une pour chaque tour. Cette attaque est toujours l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Hein? Ministère éducation nationale et formation professionnelle annoncé une série mesures ministère a adopté pour année académique 2018-2019 là dans application programme secondaire rénové dans sens ça responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle yo ba yon délai de l'année à toute l'école qui peut appliquer pour programme secondaire rénové pour mettre yo au pas. Groupe 16 députés ont continué à critiquer membre cabinet ministériel maître Jean-Henri Séan d'après eux-mêmes qui pas gain aucun critère pour yon moun ta vinn ministre député Miambalé Abel Décolline mandé commission cap travail sur étude de pièce yo pour prendre responsabilité yo. Fondation Marie Claire heureuse félicité Bonnet Dessalines lancé journée mardi 11 septembre 2018 la programme commémoration
260e anniversaire naissance fondateur PIA Jean-Jacques Dessalines. Objectif activité ça, c'est pour conscientiser population sous personnalité à compétence Jean-Jacques Dessalines, selon responsable fondation Baina Bello. Dans page internationale journal là, moun k'ap vive New York rend hommage journée mardi 11 septembre 2018 là à environ 3000 moun qui t'ai perdu la vie dans attaque terroriste 11 septembre 2001 dans pays États-Unis dans une farine et la pli. Plusieurs moun te réuni devant musée qui dédié à attentat 11 septembre 2001 pour te observer une minute silence dans l'heure exacte avion yo te frappé tout jumel yo. Plusieurs personnalités politiques te répondent présentes pour gouverneur New York là ak ambassadeur États-Unis dans l'ONU. Ces principales informations ça yo ak divers l'autre qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Dans le micro pour te présenter au journal ça, Darline François, rete branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.